dernière ligne droite dans PD3, on va s'attaquer au dernier cas. 99 boîtes, une cargaison de matériel électronique expérimental attend dans le port de New York. Ces composants font l'objet d'un accord avec Nixia et valent une petite fortune. Infiltrez-vous dans la cour de stockage et volez-les, manipulez-les avec soin. Il faut les conserver à une température basse, sans quoi ils se détérioreront et perdront de la valeur. Cinématique. Now we're sure this ain't a setup. I had my contacts check him out. We can trust this guy. Yeah. You gotta be careful these days. I had my people check you guys out too. Mac. Celestino. I heard you had your eye on a special kind of hardware. Figure it's good business. I'll make some serious paper. You get what you need and I keep my hands clean. Let me break it down for you. The gear you need is in the Jersey port. Some suits got a big deal going down with Wix in them. This tech is bleeding edge quantum grade. Looks like we found another conspirator. Do you have the suit's name? Sure I do. It's Garnet. Back up a sec, Gov. Did you say Garnet? Yeah, Ralph Garnet. Oh, I remember that guy. We stole a shit ton of diamonds from him, didn't we? From his dad, yeah. And we royally fucked up his birthday party, didn't we? Ralph is the son of Nathan Garnet, former CEO of Garnet Group. Turns out, Nathan had a lot riding on those diamonds you stole. The company went bankrupt, and he killed himself. Seems Junior blames you, and reached out to Shark for some payback. Bloody brilliant. Let's crash this wanker's party again, eh? Il me semble que c'était... J'ai reconnu sa voix et je sais qu'il a... Il avait fait une petite vidéo sur un casse avec du fond. Okay, so here's the deal. The components are kept in high security cooling containers somewhere in the storage yard. We don't know where, so you need to figure that shit out when you get there. But first you need to prepare a refrigerated transport. The clock starts ticking as soon as the components are out in the open. So you need to haul ass to get them to the transport. Take too long, and they'll start to degrade and lose value. And we don't like that. I kept an eye on you for some time now. If all this works out, maybe we can do business again in the future. Now, do what you need to do to get ready. I'll see you on the other side. Si pendant la cinématique on pouvait avoir un doute, là, quand on voit sa tête, il y en a plus. Les composants sont conservés dans des containers frigorifiques hyper sécurisés, quelque part dans la cour de stockage. Mais d'abord, vous allez devoir préparer un transport frigorifique. Les composants ne peuvent pas rester longtemps à l'air libre. Si vous tardez trop, ils commenceront à se détériorer, perdront en valeur, et ça, on préfère éviter. Si cette opération se passe bien, peut-être qu'on collaborera ensemble à nouveau. Préparez-vous et on se reverra quand ce sera fini. Ok, ah, 99 sacs de prototype. Durée avant dégradation plus longue pour les appareils high-tech. Eh bien, je prends. Moi, je n'avais pas ça. Ouais, c'est assez marrant cette partie. Je vais prendre munitions. Alors, attends, non. Équiper. Soin. Alors, surtout quand tu changes de build, pense bien à équiper, parce que ouais, se faire baiser... Ouais. On est prêt? C'est parti. On remarquera mes super grands noirs qui m'ont coûté 50 crypto. Hein. Saloperie, je croyais que ça coûtait que 50 dollars. Toute ma fortune en crypto-monnaie est partie. Ça a l'air d'être grand. All right, get inside the warehouse. The obvious way is to go past the guard booths, but maybe there's an alternative. Toujours un autre moyen. Bon, remarquera que j'ai lâché mes grenades pour des couteaux, hein, aussi, pour éviter les accidents comme dans la banque. Le pire, je tuerais une ou deux personnes, mais j'en tuerais pas 50. Mind the guard. Est-ce qu'on peut passer par les... Non.
spéciale. Ah, j'ai encore une caméra. I see a camera. Je peux passer par là. There's someone there. Watch the camera. Ah, je peux pirater les caméras. S'il y en a vraiment une qui nous emmerde, je peux la. Non seulement je peux la diriger ailleurs, mais je peux faire en sorte qu'elle ne nous voit plus. Alors. Ah, j'ai ouvert, mais ça. Ah, il y a une inertie avec les portes, faut vraiment se méfier. It's a guard! J'ai pas pris mon filtre silencieux, j'ai pas pensé. Bah bravo. Ah, c'est quoi ça? Ah, tyrolienne. Tyrolienne. Bon, rentrons dans cet entrepôt. Boucle sécurisée. Ah, attends, normalement, il y a du. Si je fais. C'est bon, quand elle est bleue, c'est que. Elle est avec nous. Hein? Avec quoi? The components will start degrading and lose value as soon as they're out of cold storage. We'll need a refrigerated truck to get them out of here. Find one, then search the warehouse for crates of liquid nitrogen to get it cool for transport. On pirate plusieurs en même temps? Non, non. Dès que j'en pirate une autre, en fait, celle d'avant. Alors, c'est quoi qu'il y a là-dedans? Un sac dans le dos déjà. Ouais. Ah, nitrogène. Ça, c'est pour là. Ouais. Je peux le ramasser, moi. T'as déjà un sac dans le dos? Ouais, mais c'est comme les bouteilles d'oxygène en fait. On peut en prendre plusieurs. Ouais, alors par contre, installer l'azote liquide. Ok. Installer l'azote. Ok, c'est placé. Next. Ah, faut le cargo manifeste. Chercher un ordinateur. À l'étage, je pense. Alors, attends. Ah, tiens, il y a. Merde. Alors, je pensais qu'il y avait une autre truc de nitrogène. Merde! Pas bon, Fredo. Rien. J'ai crocheté mal. Hein. Alors, attends. Oh là là. J'ai pas compris. C'est moi? Ah, c'est toi, ah, d'accord. Je dois avoir un petit peu de lag parce que je suis un peu nerveux que ça m'a fait. Ouais, ouais, j'ai été surpris du. Alors, visiblement, le manifeste, il y a un autre. Il y a un garde là-bas. Watch the camera. There's a guard. J'ai bien envie de le buter, lui. Ok, it's on. Faire chier. Merde, j'ai déjà un mec dans le dos. Enfin, un sac dans le dos. Yo, hey there. I've taken a hypnosis class and I need somebody to practice on. You're getting very sleepy. Is it working? Hello? À côté de nous, il y a une porte là, avec une peut-être un ordinateur. Vas-y, parce qu'il y a eu deux points d'interrogation. Là, j'ai PC, mais j'ai pas. Donc, c'est peut-être chez toi. J'aurais tué un garde pour rien. Oh, j'ai pas mon masque, j'ouvre quand même.
Ah, PC, bravo. On se dépêche, le PC, s'il vous plaît. Amateur de jolies voitures. Je regarde s'il n'y a pas de carte. Ouais, j'ai pas vu de PC, non, de téléphone. Hein. Alors, cours ouest, rangé A93. D'accord. Alors, où est l'ouest, où est le... Il faut regarder l'objectif. 52. Ah oui, 54, d'accord. Bon, on descend. Oh, attention, il y a un mec en dessous. Ouais, on va éviter de le buter. Pas sauter. Par où on est passé? On est arrivé par là. I see a camera. Il n'y a pas de... J'ai pas vu de salle des caméras. Watch the guard. Fais attention, hein, je suis un peu... Tout va bien. Merci à l'étage. On parle d'une zipline. Dehors. Ça, c'est un civil. Ah, ça c'est pour la zipline. J'ai l'impression. Voilà. Ok. Alors par contre, pour la cour ouest A93. Dehors ? Je pense pas qu'il nous ait spoté quoi que ce soit le jeu. Alors attends, en termes de. Déjà on n'a pas d'indicateur est-ouest sur la map. Et où est-ce qu'il y a des numéros ? Ouest. La cour ouest, donc j'y suis. Alors attends, j'ai l'impression qu'il y a une zone qu'on n'a pas accédé encore. Je suis de côté de toi. T'es où? De l'autre côté de toi. Ah bah attends, je peux peut-être t'ouvrir. Ou toi-même, ça se trouve, tu peux sortir. Là. Non, on a tué le flic. Si tu regardes, oups, attention, là, ici, tu vois le truc ouest? Ouais. Attention, il y a une caméra. Donc, et on voit qu'il y a, une caméra, et il y a des, tu vois, il y a A et B, là où il y a la caméra. Camera, over there. Ouest, B, A, donc c'est-à-dire que c'est par là. D'accord. Par contre, la question c'est, ah bah c'est avec la zipline, on y va. Je croyais que le zipline dans ma tête c'était pour les sacs. Mmh. Et ben on y va, par contre on va pas se faire gauler là. Franchement ça me... Sinon on descend. Bon on y va. On se lance, Par contre t'as peut-être besoin de mettre ton masque toi, pour prendre la zipline. Ouais. Testé. Par contre c'est chiant, à certaines distances je veux pas pirater les cams. Ouais, puis, il y a des gardes partout. Forcément, la zipline nous a lâché du mauvais côté. C'est garde. On peut faire comme ça. Merde, j'ai attiré l'attention avec les petits bruits de pas. Léché, putain. Je descends moi parce qu'il va me voir après, garde. Fais attention hein. J'essaie de tout spotter l'autre. Yeah. Mind the guard. Fais une tour, un tour hein. Ouais, je l'ai un peu excité donc ça va l'avoir. Alors, où est-ce qu'il y a des numéros? Putain.
Watch the camera. Alors avec les containers là, en montant, on peut... Ok, on peut ne pas prendre la zipette, il y a des containers, là où je me posais la question, là où il y a des draps jaunes, ouais. On peut basculer de l'un à l'autre. Non, ça, ça marche pas. Je sais pas si... Ouais, alors... ok, je sais pas. Il garde là-dedans ou pas les caméras? Il y a des caméras, mais j'en ai pété, j'en ai... Tiens, alors... Ici, j'ai pété une cam par là. Merde. Oui, il veut pas se poter par là. Et là, il y en a une que j'ai piraté. Par contre, je pense qu'il faut monter. Attends. Ah, là, il y a un truc pour monter. That's not the right container. Ah. You can open it up to see if there's anything worth taking, but you need to keep looking. Ah, il y a de l'argent. Argent lapin. Ok. Faut regarder les containers blancs. Enfin, les containers où il y a des systèmes frigo en fait. Ok. That's not the one. See if there's anything of value inside. Otherwise, keep looking for the components. Ok. Alors attends, il y en a un là-haut. Par contre... Ah, ah. J'ai trouvé, mais il faut un QR code. Somebody around here must have one. What did I just hear? That's not the right container. You can open it up to see if there's anything worth taking, but you need to keep looking for the tech. Pourquoi ils mettent de l'argent dans des frigos? Bah, pour que ça passe inaperçu. On est à l'intérieur pour... Ouais. Alors par contre, je trouve ça un peu con de nous faire faire des alertes. C'est vraiment pour nous faire faire gauler, quoi. Par contre, les sacs d'argent, on sait pas encore où est-ce qu'on peut les... Non. Alors attends, je vois 64. Ah si, tu sais le conteneur où j'ai mis... Ah oui, là-bas. Ouais. Ouais. Et ben à mon avis, on peut se... Moi, je reste là, hein. Ouais, t'as rien. Oups. Par contre, si tu peux rapprocher les sacs, tu vois, ici, là, là où je... Comme là, là. Ouais, parce que ça, ça va me permettre de les... Okay. Ouais, non, je suis un mauvais lancé. Ok, alors attends. Merde, merde. Tire. Bravo. Une carte. T'as sauvé Willy. Deuxième. Ah non, c'est le deuxième Félix. Il m'a fait peur là. Il était loin, hein, il m'a vu en deux ouais, secondes. Ouais, ouais, non, mais oula. God. Tu prends la carte? Oui, 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 oui. Attends, faut que je retourne dans le. Faut pas sauter quand tu transportes un mec. Lâché quelque part, moi. Fais gaffe, ces caméras. Merde. Et il m'est arrivé la même chose que la dernière fois. Hein. J'ai appuyé sur F et ça m'a envoyé un couteau. Hein. J'ai pas appuyé sur G, promis. Merde, y'a un flic qui arrive. Ah bah il va voir la caméra. J'ai pas caché le corps, je peux. Il est dans un petit coin quand même. Mais... Do you know if we get danger money for this gig? Cause I saw some huge rats in the car park earlier. Just saying, could be trouble. Yeah, I can see that. That's good to hear. C'est quoi ça? Piratage téléphone? Ça fait quoi ça? Je suis en train de pirater le téléphone d'un garde. Il y a un temps. J'espère que ça va pas attirer d'autres mecs. Je sais pas du tout ce que ça va faire. Il y a un QR code dessus. C'est ça qu'il nous faut. D'accord. Pour ouvrir, je pense. Ok. Non, rien.
mettre ce putain de corps. J'ouvre. Ouais. On va peut-être falloir que tu... Pour un truc activé à l'intérieur. C'est l'histoire des cercles. Comment ça, des cercles? Ah oui, oh là là. Cercles verts. Là, ils ont trouvé un principe, ils vont l'avoir vendu à toutes les sauces dans tous les cas. Ah oui, d'accord, attends. J'ai pas compris, j'avais l'impression que j'avais un sac. C'est très bizarre, j'avoue. Oui. Comment je remonte là-haut? Ah, on peut remonter que dans un sens. Ça craint. Oh là là, non. C'est chiant, il y a quand même bougé un truc pour... Ouais, s'il faut reprendre la zipline à chaque fois, c'est relou. Hein. Je sais pas si on peut utiliser la zipline dans l'autre sens pour les sacs. Regarde là. La pub, c'est encore une fois ce bâtard. C'est toi qui me vois ou c'est moi? Non, c'est toi. Ouais, ça marche que dans un sens. Et là, j'ai un garde par terre. Ouais, je pense qu'on doit pouvoir utiliser la zipette. Alors, il doit me rester un truc à faire quelque part, apparemment. Attends, je peux t'en faire un. Je peux le faire. Vas-y. Ah, alors attention, dès que tu vas le prendre, le temps va s'écouler, faut peut-être pas... On va avancer les sacs d'abord. Ouais, en tout cas, faut assurer toutes les sacs, je vais... Après, d'un autre côté, vu tous les gardes qu'on a butés, ou on les a butés, je suis assez serein sur l'exercice. Il y en avait un à droite, là. J'ai du mal à me repérer pour bien tout faire. Bah où là? Ah, tu passes là donc. Bah ouais, je suis obligé de... Ah, là j'ai réussi. Je sais pas si tu peux... Ouais, vas-y, on tente. La chaîne de l'amitié. Ouais. C'est vrai que... Ah, ça a marché. Non, mais ça a marché. Nice. Alors attends. Elle est pas mal. Oh là là. Ah, on s'améliore. Hein. On jurait qu'on avait ça toute notre vie. Alors attends. Parce que moi j'ai une voie dégagée vers le truc. Faut juste qu'on... Le chemin c'est par là. Hop. J'ai d'accord, c'est ça? Hop, bah, comme tu veux. Ouh, je peux rester, je suis bien. Hein. Non, mais on va avoir besoin de toi pour les sacs de toute manière. Ah, attends, c'est de l'autre côté. De l'autre côté. Ok, 3, 2, 1, tape à la vachette. Okay. Merde, je suis. À part là. Ouais, je merde. Saute à gauche. Ensuite. Remonter. Non, fallait remonter encore. Ah, putain. Alors, heureusement que j'avais préparé le truc. Hein. Je reste là alors? Non, il y a les autres sacs. Ah, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose là-bas. J'y vais. Il nous reste un call. Oh shit! Oh, j'ai pas eu pour l'arrivée. Alors. T'en vas pas le camion. Ok. Il est au froid le machin. Maintenant il y a les sacs. Faudrait que tu me les envoies, lapin. Comment?
Par contre, c'est toujours casse-pied, ces interactions qui se passent. À partir du moment où on débloque, là on a pris le machin. Forcément, on peut pas inventer qu'il y a un mec qui d'un coup va venir. Ça me fait penser un peu à la banque. Hein. Par contre. Quoi ? Bah. C'est un gars de la sécurité ! Ah, je l'ai tué, mais il est en train de se rendre. C'est vite parce qu'il se rendait. Ah putain. Alors par contre, t'as vu ? On voit les sacs ? Ouais, on nous dit vérifier le B48. Non ! Merde ! Ça s'est fait tout seul ! Non, fallait les envoyer. Mais c'est ce que je voulais faire, D'accord, ouais, Ouais, c'est bizarre. Alors attends, B48, il y en a un autre à checker. Ok, une autre série de... Pourquoi c'est fermé hein? Oh, ils sont en train de prendre les sacs. Non, les mecs, ils apparaissent juste à côté des sacs. Pourquoi j'ai déjà plein de dégâts là? Ah, j'ai pas compris niveau dégâts. Ouais, ça fait mal, hein. Bon, j'ai fait le filou. Quoi, ça? Récupérer le sac de thermite, contourner la sécurité. Je suis à un endroit, y a rien par terre. Oh là là. Y a des trucs bizarres qui se passent. Hein. J'ai l'impression que le jeu a voulu me faire ce qu'il t'a fait. Là, je l'ai. Ça fait sauter tout seul. Ouais, ça m'a fait sauter un peu fort. Et puis alors là, il y a des trucs en pété. Un sac de thermite. Oh. Bon, facile ou... Déjà y a pas du facile, on est en une tête. Mais où les sacs? Bah écoute, je les base de l'autre côté. Parce que moi j'en ai un sur moi, mais y a de la thermite à prendre. Ah. Qu'est-ce que tu veux, je te dis, je te connais pas. Bon, tous les sacs sont passés. Ah, je comprends pas, y'a l'impression qu'il y a l'escape qui est de l'autre côté maintenant. Ouais, moi c'est ce que j'étais là-bas, donc je passe à l'intérieur, j'ai ouvert un camion, ça fait couloir à l'intérieur. Ah attends. La thermite. Ouais. Ah merde. C'est ici qu'on en aurait besoin, je pense. Là où je suis mort. Je traîne le fait de pas avoir de vie et de. De protection. Le sniper. Je pense que c'est les snipers qui m'ont. Ouais. Ils s'occupent de toi. Ouais. J'ai toute la peur. Ouais, je pense que c'est eux qu'on. J'ai pas fait gaffe et. J'allume la thermite. Vas-y. Impec. Okay. Par contre, ce qui serait bien, c'est de savoir exactement où. Évacuer les. Les sacs. Hein. J'en ai mis un dans la cour. Parce que le camion dans lequel on a mis le truc frigo il s'est barré, je pense. D'accord. Je vais essayer d'aller. Voilà, donc là c'est le sac de lapin. Attends. Ah non, attends. Je comprends pas, les sacs disparaissent. Mais on nous dit rien, c'est très bizarre. Mais j'ai l'impression qu'on peut toujours mettre les sacs à l'endroit où on a mis la bonbonne de froid. D'accord. C'est ouvert. Moi qui ai une porte par là. Encore un truc activé. Oh là là, avec le cerf de la mort. Ah, y'a un hélicoptère qui arrive là. Ah, c'est pour la police.
ça veut pas, ça veut pas. Ouais. Bon, je vais essayer de sécuriser les sacs et pas trop mourir. Mais tout à l'heure, Chen et Dallas m'ont mis des munes et de l'armure et ça. Oh là. J'ai de l'armure si t'as besoin. Ah, là, j'ai un problème. Putain, ils m'ont défoncé. Ils sont tous avec toi, je suis tranquille. Hein. Ouais. Eh ben, écoute, fais ce que t'as à faire. Moi, je vais essayer d'être malin. Alors, 18ème cercle. Bravo lapin. Alors, c'est quoi que tu prends là? C'est encore un... Encore un truc froid, j'ai l'impression. D'accord. Faut que je vienne vite fait après? Ouais. Ouais, bah c'est au même endroit. Par contre, c'est vraiment dommage que le spot d'évacuation il soit... Thème, hein. Ah bah là où je suis, viens. Mais t'es bien, tu t'es bien dirigé, c'est ici, c'est là. C'est dommage qu'il soit pas marqué par exemple en orange ou en truc. Et tout le temps, comme ça on... Alors je sais pas si en B... Ça a pété. En B, là où t'as été chercher le deuxième truc qui doit rester au froid, s'il y a d'autres containers à argent dedans. Ah, j'ai bien le A. C'est A, il veut rester. On est parti. Ah, j'ai une carte pour réussir, moi. Oh, j'ai une carte. Alors, de toute manière, préparer transport... Faut faire quoi? Fermer? Ouais, on ferme, on part. Oh là. Y'a les faillots. Récupérer la herse. Merde. T'es obligé de mettre une herse. Où la herse? Y'a un spot, y'a un doigt. Y'a des mines derrière, si t'as besoin à l'intérieur. Ouais, je peux te mettre un bouclier là. Et bouton X. Une grenade. Ça va les gars, on a l'impression que c'est un paquet de cafards. Eh bah t'es bien courageux. Hein. Et la guerre que c'est. La herse. Bravo lapin. Ah, mes trucs à faire, déployer, ouvrir. Ah, alors qu'est-ce que ça fait avec la herse? J'ai récupéré et après je suis allé la mettre près de la porte d'entrée. Ah, peut-être pour les ralentir. Ouais. Ouais, bien vu. Ouais, pas mal hein, quand même, je trouve. Oui. Bah, après, on s'est fait baiser par le garde, mais on pouvait pas savoir qu'il allait vérifier le. Le corps, j'arrivais pas à le bouger à l'heure. C'est mon corps qui l'a. Bon, 22 000, ça c'est le policier qui se rendait. Par contre, je trouve ça paye pas par rapport à notre pont vert là. Bah ouais. Franchement, quand tu vois le minima qu'il faut faire. Alors par contre, 8 sacs, j'ai l'impression qu'on a tout chopé. Hein. Ouais, on en a pas oublié. C'est-à-dire côté B, il y avait pas de. Non. Il y en avait pas. Bon, le cas est original. Mais encore une fois, pont vert, merde, tu veux du fric, c'est pont vert. Point barre.
It's the right setup, but we're missing an encryption key. So who has one of those? I don't know. This design is borderline sci-fi shit. Reminds me of stuff I've seen from Murky Water. Didn't we put those private military shitheads out of business? Like we just did with Ralphie. Yeah, they filed for bankruptcy years ago. But somebody connected to them could be the final conspirator. I'll ask around. You know, if we could apply this tech to C-Stacks, it'll make them completely untouchable. I was thinking the same thing. We just need that key. I'll be real. This motherfucker's the last one I'd expect to have murky connections. He's been in business a long time, and he knows how to network. Who are we talking about? Howdy, y'all. It's been a spell since that thing in Texas. New blood, I see. Name's Blaine Keegan. Pleasure. Likewise. Now, about this murky water business, it just so happens I ran into someone a while back. Mason Laurent. Nasty sort of fella. Ex-military, ex-CIA, ex-various PMC outfits, including Murky Water. Nowadays, he's into cybersecurity. I had a meeting with him and took a gander at his security software. Looked an awful lot like the tech you're fixing to crack. Heard the Yankee bastard, no offense, has a penthouse in the city. If I were a gambling man, I'd say your best bet to find one of them encryption keys was to pay him a visit. If he developed the tech, he's the brains behind the conspiracy. Tu vas venir bientôt? This is it, people. Let's go. Je suis en train de regarder la cinématique. J'ai l'impression que le dernier casse, ça va être un penthouse. Alors, parmi les étoiles, on va infiltrer un penthouse appartenant à un certain Mason Laurent qui occupait un poste important dans la société militaire privée Murky Water. On le connaît bien, celui avec le petit requin. Aujourd'hui dissoute. Quelque part dans le penthouse, il y a une copie d'une clé de chiffrage numérique qu'il nous faut absolument. Avec cette technologie, on peut sécuriser nos fonds numériques en les rendant impossibles à geler. Alright. I had some of my associates do a little digging on Mason Laurent. He's a rattlesnake, that fella. As far as anyone can tell, he makes his home in this here penthouse. You can expect some darn tough security, given his background. Wouldn't be surprised if he had private guards on staff, bunch of custom security, hidden vaults, panic rooms, a whole nine yards. We got word the encryption keys you're after are stored on a small hard drive. Probably locked up in a vault or someplace. Remember, this Laurent fella kept off everybody's radar for a long time. He's a cautious type, so keep your wits about you. And good luck. Something tells me you're gonna need it. Alors, tout le monde semble être d'accord pour dire que Mason habite dans ce penthouse. Attendez-vous à un sacré niveau de sécurité, étant donné son historique, je parie. Sur des agents de sécurité privés, des systèmes sur mesure, des chambres fortes cachées, des pièces de sûreté. D'après nos infos, les clés de chiffrage que vous cherchez sont un petit disque dur, lui-même sûrement enfermé dans une chambre forte ou un truc du genre. N'oubliez pas que ce Laurent est resté hors des radars de tout le monde pendant longtemps. Il est toujours présent, alors méfiez-vous et bonne chance, faites le jeu politique vous en avez. Le penthouse, ça va nous rappeler des souvenirs. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on va la commencer en stealth mais que ça va vite dégénérer. Ça. Moi je suis en stealth. Attends, j'ai un souci de. Voilà. Je me souviens dans le penthouse, il fallait qu'il y en ait un qui soit au cam, puis l'autre qui fasse du stealth et qui vole les disques. That's the main entrance to the penthouse.
According to the blueprint, there's a vent at the top of the stairs on your right. Could be an alternate route. On a dit qu'il y avait un truc à droite. La ventilation. Effectivement. Ah, par contre, faut... Masco. On est obligé, hein. Ouais. Il y a un premier entrant, on peut descendre là. Oh, are stored on a hard drive and kept in a hidden vault. Find the master bedroom. According to the plans, that's where the vault is. Je suis celle de bain. Entrée. T'es où toi? Il y a plusieurs, il y avait plusieurs accès. Oui, donc oui, oui, oui. J'ai pris le premier pour voir. J'aurais besoin d'une carte bleue. The bedroom lock is controlled through the local network. Get me as clear a Wi-Fi signal as you can, and I'll override it. D'accord. There's a guard. Pirater le wifi. Je vais voir de quel côté le garde. God. Et en fonction d'eux, j'irai sur le wifi. Je pirate. Ah, les cerfs. Je peux pas remonter. Non, je peux pas remonter. Le cercle là, il est vachement loin, dis donc. Ok. Dans le couloir. J'ai déjà en piraté un, je crois que dès qu'on en pirate un, ça en ouvre deux, donc on en aura peut-être des plus. Je suis encore dans la ventilation. Ouais, ouais, je vois où t'es. J'en ai un, j'en ai deux pas très loin. Et la garde aussi. There's a guard. Camera. Mind the guard. Là, il y a un garde, je sais pas. Si. It's a guard. Oh là, il va où lui, Michel? Si tu vas dans ta salle de bain, mec, t'es mal. Bon. J'essaie d'aller en bas. Ouais, prends pas de risque, hein, pour l'instant. J'ai un garde qui se balade quand même, et après je sais pas où je peux me cacher. Pas de risque. Ce qu'il faut si tu tues un garde, c'est faire attention qu'il n'y ait pas de cam qui bouge. There's a guard. Ah, il est bizarre ce garde. Ah, il a la clé bleue. Ah non. Oh là là. Tourner. Non. What's going on over there? Oh, yeah, sorry. I must have pushed one of these bloody buttons. J'étais obligé de me lever. Won't happen again, probably. Right, right. Sounds great. All right over there. Yes, I'd like a burger and some chips, please. Oh, and could have a pint to go with it. Cheers. Quand on a un corps dans le dos... Tu peux m'envoyer là, je peux te le cacher là. En haut. Attends. T'es où? Juste à côté de toi, en haut.
Peut-être que j'ai un garde en bas. Un garde en bas. Non, non, ça va pas être possible, je peux pas, t'en... Je peux pas les jeter en l'air. À droite, là, t'as des cercles. Ouais, non, mais il faut que je cache les corps d'abord. Okay. C'est un peu de bordel. Parce que j'ai de la chance de... essayer de le mettre à des endroits où il y a moins de gens qui puissent venir. Tu fais bien le temps. Ouais, malheureusement, les corps on peut pas les envoyer très haut. Ouais, c'est pour ça que je t'ai embêté tout à l'heure. Alors, j'ai le smartphone à pirater, j'ai la carte bleue à utiliser. Oh putain. J'ai pas compris. Hein. Ouais, d'accord, c'est parce qu'elle elle a une inertie du diable et elle était pas. Elle a dû tourner. Ouais. Ok. Il y a un autre point qui est revenu au même point que t'étais tout à l'heure. Voilà, tous les corps sont cachés. J'ai le portable à finir de pirater parce que. Si c'est pas fini. Je vais dans le cercle. Attention, il y a une caméra. Je devrais pas me voir. Il en reste un, mais j'en ai pas. Il y en a en dessous, moi. En dessous, à l'étage du dessous. Fais gaffe en dessous, on sait pas trop comment c'est. Alors attends, qu'est-ce qu'il y a là? Oups! Ah! Salle des cam! Oh, ça vaut le coup ça. Bon, on a plus qu'un Pagers, mais. Au moins les caméras, c'est. Fini. Yo! Hey there! I've taken a hypnosis class and I need somebody to practice on. You're getting very sleepy. Ok. Is it working? Eh ben, ça va nous soulager. Elle est jolie la vue. En plus c'est un vicieux, t'as vu, il regarde les gens avec ouais, son ouais. Télescope. Ah, c'est ouvert. Un interrupteur. Ah, là il y a des livres à tirer. C'est génial. Non, c'est pas ça, la bouquin. Même la lecture. Hein. Ce duo aussi. Ah ouais, vas-y. Faut tout faire. Ah, ah j'en ai un. Bravo lapin. C'est le mur. Ah, c'est génial. Ah, il y a un digicode. Alors, il y aurait un 1, un 3, un 8, un 9. Okay. Il faut aller en bas. Oh là là, les serviettes dorées, le... Oh là là, ils peuvent être deux regards lapins, comment on serait bien là-dedans là. Plus que ça. Ouais, on peut être 3-4. Faire des orgies là-dedans, hein. Oh là là, ces gens qui ont de l'argent. Alors. Il y a un garde à la fenêtre en bas. C'est vrai? Il nous regarde? Ah ouais. Ouais, faut se méfier. Alors. Reste là, hein. Si tu veux. Ouais, tu me spots. God. Oh là là, il y en a un. Watch the guard. Il est mal placé lui hein. Oh putain, je me cache derrière une statue en plein milieu. Oh, la salle des cams. Oh là, ils sont deux. Merde. Alors c'est bien les deux dégagent, mais les deux me gênent. C'est guard. Partir les enfants maintenant. Ok. Merde, j'aurais besoin d'une carte rouge. T'as pas chopé une carte rouge, lapin? Non, ah non, c'est un QR code. Parce
scanner QR code. Ok. Alors, attends. Trouver la carte d'accès Alpha. Le point d'interrogation, il est ici. Alors, attends. D'accord, j'ai des tiroirs à fouiller. Attends, on va d'abord commencer par ceux du bas parce que sinon ça va être le bordel. Ouais. Ok, carte rouge. Alors, faut à juste côté de moi. Être sûr que les mecs ne reviennent pas. Ça revient, putain de merde. Putain de merde. Y'a pas une trappe. There's a guard. Juste à côté de moi, hein, Michel. Ok, lui il repart dehors. It's a guard. Attends, c'est son pote Michel. Oh putain! Oh là là, le mec il est aveugle. Alors, c'est où faut aller là, lapin? En haut. Je crois bien. Déverrouillé de bureau, mais c'est pas où on est. Carte d'accès rouge ici. D'accord. Où je suis, moi. Faut que j'arrête de courir parce que ça va attirer des gens dont on ne veut pas la présence. C'est où? Là. Ok. Looking at the floor plans, there's a void behind the office. It must be the panic room. Search the office for a way. Ah, j'ai un interrupteur là. Bureau? Ouais. Pas très original, hein. Et là, ça sonne l'alarme. That's an iris scanner. If you can separate the bigwig from the crowd quietly, you can force him to open the door for us. Derrière nous là? Je sais pas. Alors attends, il est où le scanner? Ah oui, d'accord, ok. Alors quand on a commencé au début, il y avait just spotted a delivery guy entering the building with a $1000 bottle of whiskey. Must be for the penthouse. Ouais. Might be useful. Ouais, tu peux répéter? Il y a un mec qui vient livrer du whisky, c'est censé nous aider. Alors, quand on a... C'est lui que, qui peut ouvrir avec son œil. Bah pas le livreur. Peut-être, ah, je sais pas si c'est lui ou pas. Peut-être que ça va l'isoler naturellement, mais ce qui est sûr, c'est qu'au début, dans le penthouse, on voyait un fauteuil avec plein de... Ah bah ils sont là, ils sont tous là. Alors, il y a un truc qu'on peut faire, c'est on y va, on les maîtrise tous, sans les tuer. Par contre, faut espérer qu'il n'y ait pas de garde à proximité. Ouais, d'accord, il y a un garde à proximité. There's a guard. C'est la merde. On peut encore neutraliser un, mais c'est tout. Il va peut-être bouger. Et combien il y a de civils? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est qui le gars en rouge, la salle d'ivreur? Ah. Oh là là. 47, on va lui vitaminer son sky, d'accord. Alors attends, il y a un escalier là-bas, hein, que je peux. Alors, là ici, poison nécessaire. Oh là là là, putain, mais dis-moi où est la salle de bain. Attention, il y a un... Ouais, c'est un truc de fou furieux. Ok, j'ai du poison. Merci de me spotter le mec. Ah, il y a un garde qui revient. Ça c'est génial, hein, par contre, là, j'avoue. Poison. 3 heures pour mettre un petit flacon dans une grande bouteille de... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi. Forcer à l'ouvrir. Ah oui, alors attends. On va attendre que le mec que tu m'as spoté dégage pour j'appuie sur bling bling. Tu sais, comme le mec dans Breaking Bad. Je me suis caché, je peux plus spotter. Watch the guard. Putain. Il y a un qui remue en dessous là. Ouais. Someone's approaching the bar. Get out of sight. Ouais. Eh, vraiment pas mal, hein. Pour l'instant, on est bon, hein. Je peux pas nous lancer des fleurs, mais même si on échoue. Faut espérer qu'il aille dans ses toilettes à lui, le son du bureau. Ouais, j'espère. C'est là que je suis caché.
il sert la bouteille. He's making himself a drink. Get ready. Regarde en bas. Ah. Le boucher, le garde. Il va où? Ah, il va peut-être prendre l'escalier là. Attention, il y a là. Il y a des gardes en bas encore. Je vois pas où il est. Je l'ai perdu de recherche. Hein. Il est mort? Putain. J'aime pas ça parce que. Est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est dans la salle de bain? Oh merde, on l'a perdu! Point d'interrogation! Ouais. Je vois pas où il est. Mince. Elle est où la salle des cams là-haut, tu sais? Pas te dire. C'est bizarre, hein. C'est bizarre et ça fait chier quoi. Parce que... Là, il y a une porte peut-être ici. Est-ce qu'il a été là? God. Tu veux calme? Ouais. Où il ressemble ton gars? Il a une veste bleue, je crois. Ah, il est là. Ok. C'est bon. Forcément. Je suis à la pente en train de claquer. Est-ce que tu nous as vu passer? Ouais. Viens là, Titi. Bien. Oh, jolie connexion d'armes. Le code. Alors attends, parce qu'il y a des. Alors, ok. Attends, oh, disons, il y a de la coupe. Tap in the vault code. Ouais, ouais, t'inquiète. Il a même un casque des forces spéciales dans son truc. Alors attends. Le... Ah, t'es devant le coffre? Oui. Alors, t'as quoi comme chiffre? Je vois pas de chiffre. Bah, avec ta lampe UV. Tu sais quoi? Ah, il y a peut-être le 1. Oui. C'est que ça brille tellement. Bah oui, c'est pas 3, 8, 9. 1, 3, 8, 9. Et bah, t'avais 9. Presque le bon code. C'est 1, 3, 9, 8. Ok. Je vais continuer d'emballer les bousseurs. Bon, okay. Ça marche. Je l'ouvre. Ouais. Oh, for fuck's sake, another safe. Crack it. Alors, j'ai craqué le coffre. Il m'a juste marqué ouvrir. Hein. Ah ouais d'accord, il y a plein de il y a plein de trucs à choper. Ah ouais, c'est un coffre classique ça. Classique, ouais. Ah là 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 là. Bah ça va aller, c'est un bon cassant stealth celui-là, je trouve. Hein. On a failli perdre le mec quand il a été aux toilettes. Mais... Ce que je me demande c'est s'il serait resté indéfiniment ou est-ce qu'à un moment donné il retrouve ses sbires quoi. Il arrive.
Ben oui. Bravo, lapin. We need to make sure the drive itself isn't encrypted. Plug it into the computer in the office and remove any encryption they may have added. Décrypter du cryptage. Alors par contre, maintenant, il va falloir les ramener. Je me pose la question, tu sais, à un moment donné, t'étais... Dans les trucs, bon, je pouvais pas remonter. Ouais, alors par contre, est-ce qu'on peut les balancer dedans? Je sais pas si c'est une bonne, bonne idée, c'est un coup à pas pouvoir les reprendre. On va avancer les sacs, je sais pas trop encore comment on va les sortir. C'est bon? Huck is churning data. Et là, il y a encore un problème. Y'en a marre! Y'en a marre. Ouais, faut bouger les sacs. De toute manière, on sait qu'il faut les barrer par là. Essaye de sauter dessus. Y'a un garde. Regarde, y'a un garde à droite, droite. Ouais. Deux gardes en bas. Oh. Mets un sac! Pour l'instant, je les avance après. Là, ça n'engage à rien. Je vais aller chercher les autres. Ouais, je pense. Là, il y a le disque dur qui est en train de se faire tout seul. Ouais, il y a un temps assez conséquent. Il y a combien de sacs en plus? Éjection de sac. Bien. Ah. Ah, attends. Truc en dessous? Ouais, alors attends, on... Attirer le garde. Ça va être pour l'escape. Alors par contre, le problème, c'est qu'il y a un garde qui fait des allers-retours. Tu sais, qui vient de dehors. Ils sont même deux. Mais il y en a un qui vraiment se balade énormément dans le... Moi, ce que je propose, avant d'attirer qui que ce soit, c'est de rapprocher tous les sacs, parce que de toute manière, on aura à le faire. Et personnellement, je préfère le faire hors assaut, que pendant un assaut, vu la quantité de sacs qu'on a. S'il n'y avait pas le mec qui fait ses allers-retours, franchement, ça vaudrait presque le coup de buter l'autre et puis de balancer tous les sacs de l'étage au rez-de-chaussée et puis d'y aller comme ça. Alors, je vais tenter d'attirer notre ami. Oh putain! Ouais, super. Alors, on balance les sacs vite, lapin. Mais tu sais ce qui s'est passé? Merde. Si, ouais, bon, ok, ça déchire. À côté. Ce qui est pas normal, c'est que y a un garde. En plus de celui qui devait venir, qui s'est pointé à ce moment-là. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec. Avec trois gardes en même temps, c'est. Le jeu est pas fun là-dessus parce que tu te fais chier à faire tout bien en stealth et à la fin il te baise parce que tu dois te faire baiser la première fois. Tu donnes les sacs encore? Ouais. De toute manière, vu que c'est un hélicoptère.
ça va être sur le balcon que ça va. Ah. Négociation. Est-ce qu'on peut échanger du temps? Ça serait pas mal. Ah mais sur le balcon, je peux les balancer direct de l'autre côté. Ah bah fais-le alors. Je sens encore que je vais avoir tué un civil. Ça va me coûter cher. Ouais, bah, ils peuvent envoyer des big guns, hein. Ah là là. Dozer déjà? Même pas de préliminaire, rien. Ok. Okay. Par contre, les sacs disparaissent. C'est un peu perturbant, mais. Démonte mémé. Tout ce qu'on a, c'est encore des sacs là. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Pour l'instant, ça gère. Les filles qui me l'ont rapproché. On a fait le plus dur. Ah ouais d'accord. On est mis en l'air, je sais pas si c'est une bonne idée. Il est tombé sur la rambarde là. Oh putain. Les faillots. Oh merde! Il y avait un mec qui était en train de prendre un sac. Il y avait un civil juste à côté. Alors, la bonne nouvelle, c'est que le sac a été sauvé. La mauvaise, c'est qu'il y a un civil qui a pris une base. Ça va encore nous coûter très cher. Mais dans le carré hein. Ouais, tu balances et ça disparaît. C'est bon, on peut s'échapper. On a tout, je crois. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas réussi. Par contre, sincèrement, je pense qu'il aurait fallu faire, c'est buter le mec à la porte. Ah tiens, il y a un sac qui a pas été... buter le mec qui était à la porte. Faire attention à celui qui faisait les allers-retours. Celui qui était avec ceux dans le salon, lui, à mon avis, ne serait pas bougé. Il n'y avait pas de raison. Et finalement, c'est le truc optionnel qui nous a baisé. Bon, on va retester une prochaine fois, mais... Mais voilà. Bon, deux civils tués. Ah, bravo. Ouais, 500 000. Pour l'instant, pour moi, c'était le cas sur en stealth le plus... Le plus sympa. Alors, la dernière cinématique. I've leaked the stuff we got from Shark's servers. Feels good. And I checked the C-stats. New encryptions, air tight. Nobody's touching our money again. Now we just need some motherfucking dollar bills to put that shit to the test. What's next? I say we find something worth stealing. And then we steal it. Yeah, we're back. Go on for Bob! What he said. Cheers. In breaking news, business mogul Patricia Shark is facing allegations of bank fraud and even possible corruption charges following the discovery of several leaked documents. Is it done? Excellent.
Bon bah on savait que de toute façon on aurait des casses après ça, mais là on a carrément... On sait d'où ça... D'où ça viendra. Bon et bah voilà pour les cases de ce PD. Plutôt sympa, assez classique j'avoue. J'avais rêvé en voyant ce qu'ils avaient fait dans Crime Boss, qui aurait quelques originalités. Finalement c'est très classique, c'est plutôt bien. Peut-être dommage qu'il y ait autant de flics, c'est dommage qu'il... J'aimais bien l'esprit du premier PD, j'ai pas du tout apprécié la manière dont le 2 a complètement viré avec ses tonnes et ses tonnes de flics. Là on a quand même l'impression que c'est dans ce sens là. De toute manière on se retrouvera dans le jeu, notamment par rapport au trophée du jeu. Parce que maintenant ce qui est sympa c'est de pouvoir continuer les braquages, les apprendre, être meilleur, monter petit à petit en difficulté avec l'acquisition des expériences et avoir des armes plus efficaces, plus puissantes, ça s'annonce bien.